salut, bonsoir. Vous êtes bien sur Miss Book, la critique littéraire 207.0. 2015 est derrière nous, et pour notre première année d'existence, on espère vous avoir fait découvrir de nouveaux horizons littéraires en vous donnant le sourire et le désir de lire toujours plus. Alors, pour attaquer 2016 en fanfare, on a cédé à la tentation ultime. L'année commence très très bien. Et on a décidé de vous parler des meilleurs livres parus en 2015. Super original. Et oui, la booktube sphère s'en est déjà bien chargée, mais nous, on a décidé de faire ça à notre sauce. Bah, on a demandé à nos potes, quoi. J'imagine que personne n'a répondu. Eh bien si, ils nous ont répondu. Voici donc les recommandations de quelques booktubeurs qui se sont prêtés au jeu. Alors moi, je te dis, comme eux, tu vas avoir le book, Coco. Salut, c'est Kirk de la Brigade du Livre. Ça travaille à la plage, je rêve. Peu d'entre vous savent que j'ai un petit fait pour la poésie contemporaine. C'est pourquoi j'ai sélectionné un bouquin qui m'est cher, qui vient de sortir. Découper l'univers, le mettre dans des boîtes, reculer de 20 pas, épauler son fusil et tirer sur les boîtes. C'est excellent. Ce serait pas un petit peu de la branlette intello, hein, mon petit chou de Bruxelles? Branlette toi-même, de la poésie, de la prose, je dis. C'est un recueil de poésie en prose qui parle de la vie, des gens, du monde, avec un regard juste et extrêmement lucide, et c'est pour ça que moi je kiffe cet auteur. Je vous conseille donc de vous le procurer, c'est vraiment le coup de cœur pour moi de cette fin d'année. Christophe Siébert, Découper l'univers aux éditions Gros Texte. Voilà. Mon plus gros coup de cœur de l'année 2015, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Oh oui, Aristote rime avec redingote, monozygote, polyglotte et... Aïe, mais ferme ta glotte. Une histoire singulière et pleine de simplicité, écrite avec une plume belle et légère à l'image du roman. Avec ce bouquin, on en ressort plein d'amour et de joie, et quand on arrive à la fin, la seule chose dont on a envie, c'est recommencer pour retrouver nos amis Harry et Dante. Moi aussi, quand j'arrive à la fin, j'ai qu'une envie, c'est de recommencer. Et les femmes dans tout ça, hein? On crée plus que ça encore. Alors toi, ma chérie, tu vas te calmer deux petites secondes, sinon on va pas être copines, hein? Elle est un peu trop balèze, la nouvelle, là. Vous voulez des femmes, les voilà. T'as envie de lire une histoire pleine d'aventures où l'auteur te mène un petit peu en bateau? Alors ici, on a les champions de la rame, hein? Allez, viens. Viens dans ma barque tranquille, elle est toute équipée. Je peux me garer comme je veux. Je me gare en dépit de maïs tranquille. Hop, si tu veux, on fait demi-tour, rien à foutre. Et là, les keufs. Te laisse tranquille avec ta barque, hein. Alors moi, je suis plutôt pénalo. J'ai exactement le livre qu'il te faut. A Eternia de Gabriel Katz, un livre, mais genre LE livre qui va te plonger dans une histoire passionnante, mais qui va complètement te chambouler. J'aime bien être chamboulée. Avec beaucoup de retournements de situation, pas mal de morts aussi. Le genre de bouquin que tu n'auras plus du tout envie de lâcher, et surtout une fin qui te fera clairement pleurer, mais ne t'en fais pas, tu n'as pas besoin de faire de menaces de mort à l'auteur pour avoir la suite, puisqu'elle est déjà sortie. Par contre, je te préviens tout de suite, quand tu commences avec les histoires de fantasy de Gabriel Katz, tu ne pourras bientôt plus t'en passer. Les morts de la passion du bateau, toi tu sais me parler. Elle a l'air bien cette petite, et elle est pas binationale. Elle est surtout plus drôle que nous. Hein. Mais embauchez-la, du travail pour tous. Toi ma petite chatte, c'est oui oui au pays des bisounours, hein. On va fumer quelque chose, hein. Mon coup de cœur de l'année 2015, c'est sans hésitation La jeune fille sur la falaise de Lucinda Riley. On découvre Grania, jeune artiste new-yorkaise qui, après une rupture très difficile, va rejoindre son Irlande natale histoire de se ressourcer. Lors d'une balade près des falaises, elle va rencontrer une petite fille qui s'appelle Aurora, qui est assez étrange mais qui va bouleverser sa vie à jamais. Tu veux jouer avec moi? Et c'est vraiment un roman de secrets de famille. Voyons, les secrets de famille, ça n'existe pas. Bon voyons. La vie de ma mère, elle a pas vu Star Wars. C'est un roman plein de belles femmes, plein de caractères, de belles histoires d'amour aussi. C'est vraiment une petite perle. Ce roman ne peut que vous captiver, vous enivrer. Il est en même temps très touchant et très bouleversant. Désolée, temps réglementaire. Mais t'as vu, le temps c'est de l'argent. Elle a essayé de truger la petite chippie. Suivant. Les enfants de Pickwood de Rod Marty, publié chez Screamio le 8 octobre 2015. J'ai aimé ce livre parce que j'ai adoré déjà l'écriture de l'auteur qui ressemble à Stephen King et nous plonge dans un univers assez fantastique avec un accident d'un bus scolaire et plusieurs victimes qui vont être de retour à la vie suite à une cérémonie chamane. Mais 10 ans après, la mort semble vouloir les poursuivre et il va se passer beaucoup de choses dans ce petit village. Wow, la meuf, elle a même pas respiré. Oh, mais c'est physiquement impossible, c'est bouffon. Elle a ensuite... J'ai beaucoup aimé l'incursion dans cet univers et je vous le recommande absolument. C'est fluide, c'est intuitif et c'est vraiment original et c'est un auteur francophone. Merci Hélène, petite elfe. Flippant et vivifiant. Alors moi, je voulais juste te dire longue vie aux elfes, quoi. Légolas, trop beau.
Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet aux éditions Gulfstream. Vas-y, d'où ça tombe, un ange, des ailes, hein, c'est pas pour rien. S'il vous plaît, on écoute Gaëlle. Ah, ça sent l'embrouillant. C'est un roman qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Tout en un roman que des échanges épistolaires qu'un journal intime. On suit le destin de trois femmes complètement différentes. On a également rencontré des tonnes de personnages touchants et attachants. Les émotions ressenties sont vraiment diverses et variées, comme la joie, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût. C'est un peu too much là. Mais non, les émotions, c'est la vie. C'est une auteure coup de cœur et c'est un livre vraiment magnifique. Mon livre coup de cœur de 2015, Le crime du comte de Ville d'Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel. Une femme qui écrit et qui est en vie. Oh malheur! Premier livre que je lisais d'elle et c'est de loin d'être le dernier. Il est vraiment super bien, j'ai adoré. C'est l'inverse du roman policier où on sait d'abord le tuer et après on va devoir deviner le tueur. Là c'est on connaît le tueur et on va devoir deviner le tuer. Vas-y, j'aurai compris. Si tu devines le tueur qui va tuer le tué avant qu'il le tue et qu'on tait le nom du tué, ça veut dire que tu sais d'avance qui va tuer le tué mais qu'on connaît pas encore le tué. C'est pas compliqué. Tous les personnages sont fabuleux, surtout sérieuses. Un livre exceptionnel. Comment rendre la chose encore mieux quand il est dédicacé? Amélie Nothomb n'était pas forcément dans notre ligne de mire, mais là, tu vas peut-être nous faire changer d'avis. Quant à notre livre coup de cœur de l'année 2015, Otage intime de Jeanne Benhammer aux éditions Actes Sud. Et donc? On en reparle très vite. Et voilà, notre petit tour d'horizon est terminé. Un grand merci aux booktubeurs, booktubeuses pour votre participation. Et pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à partager vous aussi votre coup de cœur 2015 en laissant un commentaire sous la vidéo. Et puis comme d'habitude, partagez, likez et tweetez. Franchement, si tu regardes la vidéo, c'est déjà pas mal. Et maintenant, place à 2016, et ça va booker sévère. J'en frissonne d'avance. Alors n'oublie jamais, maintenant tu as le book, Coco. À tantôt.